스 브래지어, 베레모, 코르셋, 레스토랑, 부티크, 스송데모, 코리안, 기비안 두 프랑세. 안녕하세요. Bonjour, c'est Maya de Blog. Apprendre coréen.fr. Aujourd'hui, je vous présente des mots coréens. Ils sont utilisés vraiment au Corée du Sud, qui viennent du français. Et il y en a à peu près 200, surtout dans le secteur cinéma, de l'art, de la cuisine et de la littérature, et certaines dans la politique, mais aussi dans la vie quotidienne aussi. Là aujourd'hui, je vais sélectionner que les meilleurs des meilleurs. Première, 브래지어. Ce serait quoi 브래지어? Ça te dit quelque chose? 브래지어, ça vient de brassière. Mais le mot brésien en Corée, c'est pas la brassière, c'est plutôt le soutien-gorge. Sinon, on peut utiliser tout court pour ou brésien. Et deuxième, lingerie. C'est quoi lingerie? Lingerie, c'est le type de vêtement, de sous-vêtement, lingerie. Et trois, peremo. Ça te dit quelque chose, peremo? En fait, c'est un mot mixte de français et hanja, sino-coréen. Pere, c'est béret. Plus bo, ça veut dire en fait boja. Boja, c'est des chapeaux. Donc en coréen, on dit peremo. Manteau. Manteau. Manteau, on peut utiliser, mais c'est pas exactement la même chose. Manteau, ce n'est pas que le vêtement extérieur, mais surtout une cape. Un manteau extérieur, mais une cape. Mousse restaurant, ça tu reconnais, hein? Mousse restaurant. Rouge, rouge ga bolkayo. Qu'est-ce que rouge? C'est rouge à lèvres. On utilisait rouge, ma mère utilisait rouge, mais je pense qu'elle ne sait même pas que ça vient de français. J'en suis sûre, parce que moi aussi je ne savais même pas. Et puis, corset. Corset, c'est quoi? Corset, on n'utilise pas trop corset en ce moment. C'est uniquement pour les mariés. Le jour de mariage, voilà, ça c'est corset. Mais en Corée, on prononce T à la fin, donc corset. Et puis évidemment, dans le secteur de l'art, au cinéma, il y a pas mal de mots français. Par exemple, le dessin, croquis, collage, avant-garde, nouvelle vague. Là, en Corée, on dit nouvelle vague. Et puis dans le secteur politique, par exemple, prolétariat, bourgeois, c'est bourgeois. Et puis par exemple, le mot mise en scène, hommage, film noir, le film noir. Ce sont des choses qui ont commencé en France. Donc ça reste encore en Corée. Voilà, et il y en a encore beaucoup, mais si je te dis tout, ce sera ennuyant. Donc je te présente que des meilleurs. Donc, qu'est-ce que tu veux encore découvrir sur la Corée du Sud ou sur la langue coréenne? Dis-moi en commentaire. Et quel mot qui était le plus intéressant pour toi parmi les mots que je t'ai donnés aujourd'hui? Allez, je te souhaite une très bonne journée. On se trouve dans une autre vidéo. Ciao, allez, ciao.